Bienvenue encore une fois sur la page Facebook du défimédia.info. Nous sommes en direct de la MCB de Saint-Jean-Quatre-Bornes où se tient le salon des étudiants, le salon international des étudiants de VEC. Nous sommes ici jusqu'à 18h et maintenant je vais m'entretenir avec des représentants d'universités à travers le monde dont on va commencer par Brett McLean du Cap Breton University. Brett, good morning. Welcome again to Mauritius. Please tell us all about the Cap Breton University. Thank you. Good morning. Good morning. Thank you very much. Good afternoon. There we go. Now it's on me this time. So yes, my name is Brett McLean, and I'm with Cape Breton University in Nova Scotia, Canada. We're here today at the OVEC event at the MCB Bank in Port Louis. If you are interested in studying in Canada for programs such as engineering, engineering technology, public health, or business, these are certainly programs that we do have available for students from Mauritius. This year, for September 2024, Cape Breton University does have a specific Mauritian scholarship for students that are getting at least a B average. We're providing $7,000 as an entrance scholarship, and if you're having an overall A average, we're providing an entrance scholarship of $10,000 Canadian. Thank you very much, Brett. Okay, good afternoon, by the way. good afternoon, Leah Udada from the Carleton University. Please tell us more about the Carleton University. Thank you, Leah. Absolutely. All right, thank you so much. So as they mentioned, my name is Leah. I am an International Admissions and Recruitment Officer at Carleton University. We are located in the beautiful city of Ottawa, Canada. We are located in the capital city. Having the capital city university has a lot of advantages in terms of proximity to the government, proximity to some of the large tech sectors in Canada. If you're looking to go into engineering, STEM programs, Carleton is a great destination to be able to pursue that. We are a self-contained campus. I have a little picture here. I don't know if you can see it, but we are like a little island, not as beautiful as Mauritius, but being a self-contained campus really helps enhance the community feel. We offer lots of great programs, not just in STEM, arts, social sciences, lots of hands-on working opportunities, and would love to talk more. So if it's still time for you to come here to MCB and hear a bit more about Carleton. Alors si vous avez raté quelque chose, n'hésitez pas, venez, nous sommes ici jusqu'à 18h, vous aurez l'occasion de rencontrer au moins une trentaine de représentants d'université pour vous expliquer toutes les modalités d'études ainsi que la MCB qui est là pour le financement des études, avec qui nous aurons un petit entretien dans un moment. Donc maintenant, nous allons poursuivre avec Umar Razak de University of Southampton, Malaysia. Umar, good morning again. Thank you. Good afternoon, sorry. Thank you so much for having us over again. This is Umar from University of Southampton's Malaysia campus. So we are a UK university with 6 campuses in UK and 1 campus in Malaysia since 2012. So in UK, in Malaysia, we are having 3 portfolios. We have 3 engineering majors that lead you to 28 specializations. Overall, as a university, we are ranked top 80 in the world, top 81st. But then we do have the program rankings, which are way stronger than the university rankings. So other than engineering, 28 specializations, we have a computer science program that covers 7 specializations of computer science. We have 9 business majors. Again, individually, they are very well ranked, both in UK and in Malaysia. So the advantage of UK Malaysian campus is that you get a bit of best of both worlds experience. So by studying in Malaysia, which is obviously one third the cost of studying and living in UK, literally one third, you do get a very good understanding of Southeast Asia. And with that, when you move to UK, either through transfer options or even completing your bachelor's or degrees in Malaysia, you graduate with a very good understanding of how things operate in Southeast Asia and Europe, for example, and that's a very lucrative concept for employers. On top of that, we do offer up to 100% scholarship for both foundation and first year of your bachelor's program. We've got a number of Mauritian students who have joined us and have done really good, you know, on campus. So we are looking forward to have some more of you soon. Looking forward to that. Thank you so much. Thank you very much, Umar. Last but not least, let's have Sandeep Thakur from the La Trobe University who's going to tell us more. Thank you, Sandeep. Thank you. Thank you so much for that.
Thank you so much for that and good afternoon. My name is Sandeep Thakur and I am a manager recruitment with La Trobe University Australia, which is based in a city called Melbourne. Melbourne has been voted most livable cities amongst the world and amongst the most preferred international destination as well. We are the third oldest university in the state, Victoria, and we were quite comprehensive with the courses, and we offer courses into art, social science and commerce, science, health and engineering. For Mauritian students, we've got this dedicated scholarships which covers 15%, 20% and 25% of the tuition fees for the entire duration of the program. To know more about La Trobe University and the scholarships that we offer, please visit MCB. Thank you so much. So you're here until 18 hours? 18 hours, yeah. And all your counseling and your whatever information you're going to give is free. So we're going to ask the viewers to do not hesitate and come. We are here until 18 hours. Thank you very much, Sandeep. Thank you. Thank you. Bye. Et maintenant, nous allons parler représentant de la MCB, le Relationship Executive de la MCB, Kenny Nibert. Dites-nous tout sur le plan de financement d'études, s'il vous plaît. Alors, bonjour, chers internautes. Alors, le plan de financement d'études, et donc c'est la MCB Campus. Alors, la MCB Campus, donc on vous propose deux options de financement. Alors, la première option, ce sera un prêt de 1 million, sans garantie, donc qui s'étend sur un maximum de 7 ans. D'accord. Et bien sûr, la deuxième option, c'est un prêt avec garantie, où là, on peut vous financer jusqu'à 20 ans. D'accord. Donc, c'est vrai que des fois, on nous pose la question, mais comment la banque procède au financement? Donc, on peut financer jusqu'à 100% des études, mais pas que les études. On finance aussi des accommodations, le billet d'avion, tout ce qui tourne autour de l'étude, même si c'est des matériels scolaires. Donc, on finance tout ce qui est, on va dire, pour les études jusqu'à 100%. D'accord? Donc, on vous attend, bien sûr, à l'OVEC Faire pour, bien sûr, pour en discuter en plus sur le projet MCB Campus. Et bien sûr, actuellement, on est en période promotionnelle jusqu'au 30 avril pour le produit MCB Campus, où vous allez bénéficier de 50% de frais de 50% de discount sur les frais de papier. Et aussi, actuellement, on vous propose aussi une carte prépayée gratuite, donc sans frais. Et les cartes prépayées, c'est aussi en devise ou en roupie mauricienne. Vous pourrez utiliser ces cartes-là à l'extérieur. Donc, n'hésitez pas, passez-nous voir à la MCB de Saint-Jean. Donc, on sera là jusqu'à 18h aujourd'hui. Bien sûr, venez rencontrer les représentants des universitaires, mais aussi, venez nous voir, comme ça, on pourra vous aider et comment vous accompagner pour le prêt. Et aussi, actuellement, on offre aussi des taux d'intérêt attractifs, des taux d'intérêt promotionnels. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, ou si vous n'avez pas eu le temps de passer aujourd'hui à notre stand, mais contactez votre gestionnaire de compte au niveau des branches. Merci. Merci. Et on va maintenant se diriger vers Madame Doris Chitson, la CEO de Dovec. Et Madame Chitson, comment ça se passe depuis hier et aujourd'hui, comment ça se passe? Dites-nous. Oh, très très bien. On a eu pléthore d'étudiants et leurs parents qui sont venus. Alors, très content d'avoir rencontré les quarantaines d'universités qui sont là. Ils ont vu toutes les options. Alors, c'est-à-dire l'Australie, l'Angleterre, le Canada, la Malaisie, la Chine, l'Allemagne, enfin tous les pays, les quatre coins du monde, les pays des quatre coins du monde, et ils sont très contents. Ils font beaucoup d'applications et surtout on a eu beaucoup d'offres. Ils ont eu beaucoup d'offres de bourses. Alors il y a l'université de 100% Deakin qui donne 100%, l'université de technologie de Sydney qui donne 100% et l'université de Sheffield de l'Angleterre qui donne 50% et beaucoup d'autres, parce que tous nos étudiants, il y a eu beaucoup de brillants qui ont eu 5 à plus mais qui n'ont pas pu avoir aucune bourse de l'État. Alors ça va les aider, même ceux qui ont eu le additional scholarships, vous aurez encore des bourses pour aider les parents dans vos études. Alors, ce qui est très très bien, vous venez vers nous, on fait toute votre procédure gratuitement, les parents peuvent dormir tranquilles, on fait le babysitting pour vous, on fait l'application, les procédures, et vous avez votre offre, et aussi, vous réservez votre place, et aussi, dès que vous donnez vos dépôts, chaque université va demander certains dépôts à la banque pour réserver votre université. Alors là, et on fait votre procédure, c'est-à-dire on réserve votre accommodation à l'université
et puis ils viennent vous chercher à l'aéroport. Et avant de partir, on fait un networking get-together où tous les étudiants et les parents peuvent faire des contacts. Et par exemple, si vous allez au Canada, vous avez plusieurs étudiants qui vont dans toutes les parties du Canada. C'est un grand pays. Et chacun fait des échanges. On peut visiter ses amis. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. Et on fait aussi les visas non seulement pour vous et aussi des parents. Alors, donc, quand le salon serait fini, c'est pas tout. Il faut venir nous voir. On a deux bureaux, un bureau à Port-Louis, la rue Labourdonnais, et aussi nous, moi je suis à la maison mère, c'est-à-dire à Gentilly-Moka. Alors, donc, on continue à faire le suivi. Et pour ceux qui vont composer cette année, c'est le moment aussi de recueillir votre dossier, c'est-à-dire deuxième semestre. Il faut prendre ce qu'on appelle un focus result, sinon il y a mock exam results. Alors ça, je l'ai spécifié. Ne rendez pas votre bulletin à l'école sans avoir fait une copie, on a bien besoin. Et surtout, ce qui s'est passé, beaucoup, le O-Level Cambridge, là, ils ont donné ça pour l'examen HSC, mais faites une copie avant parce que on a besoin de ça, votre O-Level et de votre mock exam result, pour faire l'application qui va se faire après le deuxième terme. C'est-à-dire les congés de juillet-août, venez à OVEC, Port-Louis ou Moka pour faire l'application parce que il faut faire l'application très tôt, les places se remplissent très vite, sinon vous allez perdre une année. Donc n'attendez pas les résultats. Beaucoup ont attendu le résultat et puis certaines universités sont déjà fermées. Par exemple, l'Université du British Columbia, alors le 15 novembre, ils ferment pour l'application pour les bourses, il y a 100% de bourses, et le 15 janvier ils vont pas attendre les résultats, ils ferment déjà leur dossier. Donc il faut venir avant, et les meilleurs résultats, ceux qui applient avant, ils ont les bourses avant. Donc n'hésitez pas, venez, notre service est tout à fait gratuit. Alors, les parents dorment tranquilles, on fait tous les procédures pour vous gratuitement. Alors, et aujourd'hui, on termine à 6 heures, donc vous avez encore presque 5 heures de temps pour venir. Mm-hmm. Alors, profitez-en, les universités des pays entiers sont venues vers vous. Alors, profitez-en et venez nombreux pour les voir et surtout pour accepter les offres de bourse, etc. qu'ils vous donnent. Merci beaucoup, Madame Tusson. Donc, vous avez jusqu'à 18h aujourd'hui pour venir rencontrer les multiples représentants des universités à travers le monde. Et de ma part, je vous demande encore une fois de rester branché sur la page Facebook du FI Média pour prendre connaissance du contenu de ce salon. Merci. C'était Koshla Jadunandan du FI Média Group. À très bientôt.